Ton nom d'EY, tu l'as eu en même temps que Poupa de Reddy? C'est toi qui te l'es choisi ou c'est venu Poupa de Reddy, lui, il avait des dreadlocks à l'époque, c'est pour ça qu'on l'appelait Poupa de Reddy. Ouais, trop On l'appelait facile. Reddy, puis il est devenu papa, donc c'était Poupa de Reddy. Et moi, au contraire, c'était pas pareil, c'était. Non, moi, c'est anecdotique un petit peu, c'est que mon premier nom dans mon premier groupe de rap, comme on trouve, il y avait des noms un petit peu limites à l'époque, quand même, faut dire, Ouais. dans plein de petits groupes de rap. Et moi, mon truc, c'était. On m'avait dit, ouais, tu chantes vite et tout. Et bon, je chantais vite, mais j'étais pas très intelligible à l'époque, donc. Donc bref, et moi c'était Daddy Rafale, c'était mon premier nom. Donc, après je D'accord. me suis assez vite aperçu que Daddy, j'étais pas Daddy. Donc en fait Ouais. j'ai compressé le Daddy avec la première lettre et la dernière lettre de Daddy, tu vois, D.Y. Et Ouais. donc je m'appelais Rafale D.Y. Et après je me suis dit, mais Rafale, parce que j'avais un t-shirt. Je me Ouais. suis trouvé à Paris où il y avait un Asiatique qui m'avait arrêté dans le métro en me disant. Ah, tu sais ce que ça veut dire sur ton t-shirt? Ça veut dire rafale de vent et tout. Donc moi j'étais content, j'étais raffermi dans mon délire et je m'étais dit donc voilà. Sauf que après je me suis dit bah rafale c'est quand même très prétentieux. Ouais. On enlève rafale et on va laisser DY. Sauf qu'après les gens m'ont appelé DY et ça m'embêtait un peu. Ouais. Donc j'ai orthographié ça. Très bonne idée, en tout cas ça te va bien. Kikaliente, c'est l'émission reggae qui met du soleil dans tes oreilles.